Ouh, oh, yo les forceurs, c'est ton gars au Marvel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis de retour et on va parler des compléments alimentaires dans le domaine du street workout. Allez, c'est parti! Alors, je vais vous donner les 5 critères pour pouvoir choisir vos compléments alimentaires. Donc, alors, vous avez objectif physique ou performance, vous avez la récupération, la santé, vous avez le focus et vous avez les articulations. Voici les points que je vais développer avec vous. Objectif physique, le premier complément alimentaire que je recommande, c'est la whey. Pourquoi? Parce qu'il est idéal pour une prise de masse musculaire et en plus de ça, ça a un effet coupe-faim. Je vous recommande de choisir une whey concentrée en protéines minimum à 80%. Sinon, mettez ça à la poubelle. Donc si votre objectif c'est la performance, le complément alimentaire que je vous recommande c'est la créatine. La créatine c'est un dérivé d'acide aminé qui est naturellement présent dans le corps. Pourquoi je vous recommande ce complément alimentaire là? Parce qu'il vous permet de développer la force et les performances. Il faut savoir aussi que c'est un des compléments alimentaires sur lequel vous avez énormément d'études. Donc sachez-le, ce complément alimentaire là est très 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 efficace. Alors le deuxième critère important pour choisir des compléments alimentaires, la récupération. Donc, si je devais vous recommander un complément alimentaire pour la récupération, je dirais la BCA. La BCA, c'est quoi? C'est des acides aminés, d'accord? Donc isoleucine, valine et le leucine qui vous aident à mieux récupérer et qui vous aident à booster vos performances plutôt dans le domaine du sport d'endurance, d'accord? Faites attention à une chose, quand vous choisissez vos BCA, il ne faut pas que ce soit des BCA qui soient issus de poils de porc ou de poils humains, ou de soja transgénique, entre guillemets OGM. Voilà, je dis ça, c'est pour vous, c'est pour votre santé. Faites attention. Le troisième point important pour moi, les articulations. S'il y a un complément alimentaire que je devrais vous recommander, c'est le collagène. Pourquoi? Parce qu'il permet de renforcer la structure osseuse et la régénération articulaire et tendineuse. Il y a deux grands types de collagène, bovin et marin, d'accord? Moi, je vous recommande plutôt le marin. C'est celui que j'utilise, c'est celui que je préfère et je trouve qu'il a des meilleurs bienfaits au niveau de la peau. Le quatrième point important pour moi, le focus. S'il y a deux compléments alimentaires que je devrais vous préconiser, je dirais la caféine et le booster. Pourquoi la caféine? Il aide à la perte de gras et il augmente les performances physique et cérébrale. Et pourquoi le booster? Le booster est intéressant parce que vous avez la possibilité d'augmenter aussi vos performances physiques et cérébrales et il peut aussi avoir un effet pump. Le cinquième point important pour choisir ces compléments alimentaires, la santé. S'il y a un complément alimentaire que je devrais vous recommander, c'est les oméga 3. Pourquoi les oméga 3? C'est un acide gras essentiel pour le corps et vous en avez en très peu de quantité dans votre alimentation et c'est un complément alimentaire que vous ne pouvez pas synthétiser naturellement. Donc, je vous recommande soit d'augmenter vos apports en poissons dits gras, donc comme le saumon, le maquereau ou le thon, ou soit d'augmenter votre apport de compléments alimentaires, donc d'oméga 3. Il faut savoir que les oméga 3, c'est très important pour le cerveau, la vision et le cœur. C'est pour la santé, c'est à ne pas négliger. Pour les compléments alimentaires, encore une fois, dans la santé, le deuxième complément alimentaire que je vous recommande, c'est les vitamines. Pourquoi les vitamines? Parce que c'est primordial pour le corps. C'est un complément alimentaire que le corps ne peut pas synthétiser lui-même. Il permet d'entretenir le corps, il permet de faire fonctionner le corps, ça permet de renforcer votre système immunitaire. Donc les vitamines, c'est primordial. Ne négligez pas les vitamines. Pour moi, les deux critères les plus importants parmi tout ce que j'ai cité, c'est la santé et les articulations. Si vous voulez prendre des compléments alimentaires, prenez des compléments alimentaires pour la santé et les articulations. Pourquoi? Pas de santé, pas de sport. Pas d'articulation, pas de sport. Donc c'est aussi simple que ça. La santé et les articulations, c'est indispensable. Donc prenez-en soin. Ensuite, on me demande souvent, Omar, je ne sais pas où acheter mes compléments alimentaires. En fait, ça dépend de vous. Si votre critère, c'est l'argent, dirigez-vous vers les marques low cost, tout simplement. Il y en a plein, je ne vais pas les citer, vous les connaissez déjà. Maintenant, si votre critère, c'est la qualité, moi, je vous propose une marque qui s'appelle Nutrimuscle. Je suis en partenariat avec cette marque, mais je gagne strictement aucun bénéfice à vous dire cela. Je vous dis ce que je pense réellement. C'est moi qui ai voulu travailler avec cette marque. J'ai réussi à collaborer avec eux. Donc voilà. Donc si vous cherchez des produits de qualité supérieure, c'est vers Nutrimuscle.
qu'il faut se diriger. Vous avez la possibilité de tracer les produits, c'est des produits qui sont halal, c'est des produits qui sont bio. Alors certes, il faut mettre le prix, mais c'est une question de choix. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. S'il y a des sujets sur lesquels vous voulez que j'approfondisse, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. Je ferai peut-être d'autres vidéos sur le sujet des compléments alimentaires. J'ai aussi un lien Nutrimuscle, un lien d'affiliation. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus. Et justement, dessus, vous avez tous les compléments alimentaires. Vous avez aussi des vêtements, du textile. Vous avez aussi tous les livres de Frédéric Delavier. Qui n'est pas n'importe qui. Et vous avez aussi, pour mes amis du Street Workout, des recommandations sur certains compléments alimentaires qu'il vous faut. Donc, si vous voulez les recommandations de Nutrimuscle, ça se passe sur le lien en description. Allez,